Bonjour. Votre prénom? C'est Solange. Solange, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 12 du 7 en 48. Ah ben oui, vous êtes cancer. Hein? Et j'ai vu des soucis actuellement par rapport à la famille. Alors, quelle est votre question et votre région, s'il vous plaît? Ma région, je reste à Binche. Donc, vous voulez savoir quoi exactement? Ben, avec les enfants, comment ça fait que quand je ne leur donne pas qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi qu'ils ne viennent plus me voir et qu'ils tapent dans mon dos? Ah oui, c'est pas sympa ça, hein? Non. C'est pas sympa. Alors, les en plus. Non, mais il faut savoir une chose, vous êtes un cancer, donc vous êtes le sens de la famille. Et aussi, non seulement le sens de la famille, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui plutôt penser à vous que de penser aux autres. Je suis désolé de vous parler à ça, parce qu'on voit depuis 1966-67, votre vie a commencé. Donc, c'est cette période-là que vous avez démarré votre vie à l'âge de 22 ans, 23 ans. Tout a commencé à cette période-là. Et on voit quand même, normalement, vous êtes dans une période... Je vais vous dire une chose. Je pense que normalement, ils ont besoin de votre argent, mais il faut que vous le dépensiez vous-même. Donc, je pense qu'il faut que vous profitez, vous, plutôt qu'eux, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Si on a une mère, on doit s'occuper de leur mère. Et on ne doit pas s'occuper de l'argent. Et ça, ça crée de la zizanie, des problèmes financiers, même pour vous, parce que vous êtes en train de toucher à vos économies. Alors, je veux regarder pour vous quand même. Vous allez me donner 5 chiffres, Solange, de 1 à 32, un par un, s'il vous plaît, pour regarder. Oui. Allez-y. Je vais vous donner le 3. Le 3. Le 6. Le 6. Le 7. Le 7. Le 10. Le 10. Et le 12. Et le 12. Il y a un carrefour dans votre vie. Il faut que vous fassiez un voyage. Vous avez un compromis. Je pense que c'est leur femme qui cause des problèmes. Je pense que c'est vos belles-filles, qui vous causent des problèmes. Mais il y a une joie sur vous. Quoi qu'il en soit, il y a une joie sur vous. Il y a un carrefour important. Vous êtes seule? Oui, j'ai perdu mon mari depuis 5 ans. C'est ce que j'ai senti. Je vous ressens seule. Peut-être, normalement, il faut que vous pensiez un peu à vous plus qu'à vos enfants. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils attendent après vous l'argent parce qu'ils ont des difficultés. Surtout que les belles-filles, elles aiment l'argent. Donc, elles ont par intérêt. Il y a un intérêt là-dedans, malheureusement. Et ça, ça ne résout pas le problème. Mais je pense que maintenant, il faut que vous preniez le taureau par les cornes, comme on dit, et vous foncez les portes et vous pensez qu'à vous. Je suis désolé de vous dire ça. C'est peut-être vos enfants, mais j'ai l'impression que vos enfants, c'est par intérêt. Donc, c'est pas une bonne chose non plus. Donc, quand on a besoin de vous, on vous trouve, maman, donnez-moi de l'argent. Mais quand maman n'a plus d'argent, il n'y a plus personne. Donc, là, il faut que vous pensez. Donc, on vous dit, il y a un compromis. Je pense qu'il faut que vous fassiez une réunion familiale. Parce que ça, ça vous tient à cœur, hein. Je dirais, c'est dans votre cœur. Il faut que vous fassiez une réunion familiale, parce qu'on voit une réunion familiale. Il y a deux fils? Je n'ai qu'un fils. Mais pourquoi je vois... Vous, quatre filles. Vous avez un fils, mais il a un enfant? Un garçon? Non, il n'a pas d'enfant, lui. Mon gamin n'a pas d'enfant. Ben, je ressens un de vos enfants qui a un enfant. Je ne sais pas pourquoi je vois un garçon. Je vois un garçon. J'ai deux filles qui ont des enfants. Oui, alors ils ont un garçon? Oui, la première des filles a un garçon. Donc c'est peut-être normalement une de vos filles ou les gendres qui ne sont pas faciles. Mais il faut faire très attention parce que c'est pas facile du tout. Je ressens des boomerangs. Les boomerangs, ça veut dire c'est des hauts et des bas. Ça passe, ça casse, c'est pas facile. Regardez, c'est extraordinaire. J'ai sorti les deux cartes, la réunion familiale. Donc il y aura une réunion. Je pense qu'ils attendent après vous que vous donnez de l'argent, que vous distribuez l'argent de... Malheureusement, du décès de votre mari. Hein. Oui, mais, c'est vrai. Oui, mais vous n'avez pas à le donner. Vous êtes toujours vivante, que je sache, et que vous devez penser à vous. Regardez, carrefour argent, ça veut dire vraiment, ils attendent après vous l'argent. Alors moi, je vais vous dire une chose. Étoile, le ciel t'aidera. Je veux dire, il faut vous penser à vous. Il faut vous se lancer. Il faut vous voyager, vous penser à vous. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. On vous aime comme on doit vous aimer. On ne vous aime pas parce que vous avez de l'argent.
enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, et oui, ben je voilà. Comprends. Pensez à vous, faites une réunion familiale et dites ce qu'il y a sur le cœur. Parce que tant que vous ne le dites pas, vous ne serez pas soulagé. Merci beaucoup. Au revoir, Solange. Au revoir, monsieur.